Du temps où je vous parle, nous sommes entrés dans le grand passage vers la nouvelle Terre. Ce que j'ai appelé récemment la deuxième parallèle du temps de l'humanité dans mes vidéos précédentes. Le feu, puis l'air, puis l'eau, et enfin la terre vont trembler un à un dans nos corps subtils, puis se réveilleront le 12 avril dans le corps physique. Je vous invite à écouter ce message vibratoire, soit pour vous préparer, soit pour entamer le passage en douceur. De nombreuses perturbations s'associent à ce grand tournant de l'humanité. Des idées sombres, se sentir déboussolé, ou encore avoir peine à bouger, sont des premières sensations. Ensuite viennent les remous intérieurs et les grandes mémoires de ces vies antérieures qui remontent à la surface pour être enfin archivées. Viendront le temps du recueillement et de la lumière. De grandes secousses vibratoires impressionnantes vous déposeront tranquillement dans cette nouvelle fréquence, mais le passage sera vertigineux. Le deuil de l'ancien se mêlera au renouveau inconnu. Écoutez ces quelques paroles suivantes. Retenez-les pour le jour J. Pendant les 3 jours durant, je me suis assis devant vous. J'ai prié mon Dieu, mais je me suis endormi. Dans mes songes, je vous ai vu mourir, mais votre âme voyageait dans le temps. J'ai sonné une cloche pour vous, et vous m'avez entendu. Les oiseaux ont ensuite pris le relais et vous vous êtes réveillé. L'espoir est un son, une cloche qui retentit dans vos oreilles. Ne l'oubliez pas.